Allez, on débarque chez Lilith. Du coup... Eh, vous voyez, en fait, c'est ça, elle était au travail, je pense, Lilith. Je pense que c'est pour ça qu'elle a refusé deux fois le rencard. Je pense. Ah bah, elle est là! Bon bah là, va falloir s'expliquer, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais complimenter sa tenue, qui est exactement la même depuis que je la connais, je pense. En là, c'est tendrement. Non, non, mais ne te ridiculise pas, Yuki, s'il te plaît. Ah, qui la compétence chant? Bon, bah, ça a l'air de bien se passer. Offrir un cadeau du jour de l'amour. Merci, Yogurt, pour ce 10e mois. Je ne saurais comment te remercier pour ces 10 mois incroyables. Merci beaucoup. Merci, merci. Oh, bah, tiens, une petite plante. Elle a une plante dans son inventaire. Est-ce qu'elle va aimer? Bien, si vous finissez dans un karaoké. Tiens, mon diplôme. Elle va aimer ou pas? Ah, elle est contente en vrai. Complimentez sincèrement. J'étais des confettis pour le jour de l'amour. Ok. En vrai, ça a l'air de bien se passer, juste il flotte. Allez, un rencard. Je crois qu'elle peut que lui demander par le téléphone, il me semble. Salut Larbi. Je suis pas sûre en fait, hein. Ça se trouve pas du tout. Demander de garder une relation amicale, l'enfer. Hop, à Lilith. Est-ce que ça marche? Enes n'a pas vidé l'inventaire, c'est tout ce qu'elle a volé dans les dortoirs. Bah voilà. Ok, c'est bon. Bon, bah un petit rencard du coup, j'imagine, les filles à Windenburg. Et je sais pas, on les emmène où? On les emmène au bar? Aura romantique en plus. Comment ça, il y a un début de bar rose dans la relation du robot? Bah ouais. Bah oui, je sais pas trop quoi en faire de cette relation-là. Après, il n'y a rien d'impardonnable. Parce qu'on rappelle, pour ceux qui savent pas, complimenter sincèrement, en plus, c'est soirée réservée aux femmes. On rappelle quand même que pour les gens qui savent pas, qu'en fait, avant que Yuki soit petite amie avec Lilith, la grande sœur de Yuki... à fricoter avec Lilith. Voilà. C'est vraiment trompé si c'est avec un robot. Bonsoir les ratus d'amour, j'ai acquis ces 20 000 points ratus pour te, demander, Ultia, de bien vouloir faire découvrir les quokkas au monde entier. Les gens qui mettent des capybaras partout, mais les quokkas sont trop souvent laissés de côté. La particularité supplémentaire du quokka est que cet animal fait des caca cubes. Non, c'est pas vrai. Mais je les connais bien ces animaux-là, ils ont tout le temps l'air refaits en plus. Enthousiasmé à propos de la nouvelle série. Eh ben, tu les as mis en avant. C'est très bien. Ok. Bah, je pense du coup qu'elles vont se prendre... commander une boisson pendant la soirée femme. Vas-y. Du blanc. Hop. Des caca cubes. J'irai voir quand même. Bonjour. Je pensais que c'était une soirée femme. Bah. Merci Zao. Salut Zao, merci pour le 37e mois de sub. Incroyable, merci beaucoup. Faudrait qu'elles se posent toutes les deux. Il y a plus romantique comme aura qu'ici quand même, hein, j'ai envie de dire. S'asseoir et discuter ici. Mettez-vous là toutes les deux. Salut chaton. Mais non, mais vous êtes pas mes copines. Laissez-moi tranquille. S'asseoir ensemble.
Lilith, viens avec moi. Raconter une histoire délicieuse. Raconter une histoire incroyable. Donc faut que je plaisante avec mon rancard, que j'ai les deux Sims enjôleurs en même temps. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle lui parle, elle lui tourne le dos. Chercher des sensations fortes. Exprimer son affection. Elle arrête pas de se décaler, elle me saoule. C'est pas les chaises musicales, les filles, là. Hein. Oh, elles me prennent la tête. Cassez-vous. Je vous connais pas, vous, là, les deux. Barrez-vous, en fait. Tu sais ce que c'est, les sensations fortes? Non, non. Je veux voir, justement. Chercher des sensations fortes. Y a pas un truc avec la poubelle et les sensations fortes? Vas-y, je veux voir. Merci Capsine pour le sixième mois. Chercher des sensations fortes. Pas faire crac-crac dans la poubelle. Si, c'est ça. Lilith est crasseuse, en plus c'est parfait. Mais non. Bon bah... Plus. Elle me dégoûte. Allez. Voilà. Nickel. Astuce Ratus, récupérer peut-être... Non, je crois qu'il n'y a rien. C'est une poubelle de carton. Ouais, c'était propre, en vrai. En vrai, c'était propre. Mais ça dure 100 ans. J'y pète. Ok. Nice. Idée originale pour la Saint-Valentin, bien sûr, partager l'esprit du jour de l'amour. Vous êtes dégueulasse. Je ne critiquerai plus jamais le buisson. Attends, mais mettez-vous là, là, parce qu'en intérieur, elles sont... Il y a trop de gens, c'est chiant. Mettez-vous ici, pitié. Rien que toutes les deux. Et ça serait bien, donc du coup, plaisanter avec votre... Oh là, bah va pisser, hein, ça a pas l'air d'aller. Raconter une histoire scandaleuse. Offrir un cadeau amusant. Non, non, je vais pas faire ça. Elle a trop envie d'aller pisser. Mais ouais, mais moi je dois plaisanter trois fois avec toi en fait, donc tu feras pipi plus tard. Le buisson, c'est le Ritz à côté. Par contre, pour avoir les deux Sims enjôleuses en même temps, c'est pas gagné. Hein. Hop. Plaisante avec moi. Mais elle va se pisser dessus, je pense qu'elle sera trop embarrassée après. Pourquoi elle sort les confettis? Mais en fait, on n'est pas copines. Hein. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Je pense qu'elle va aller pisser. On a des objectifs pour cette Saint-Valentin. La copine trop chiante. On a des objectifs pour cette Saint-Valentin, ok? Ok? Tiens, vas-y, prends de quoi manger. Commander à manger... je sais pas... Saucisse au curry... Fish and chips? C'est 3 bisous minimum. On doit plaisanter 3 fois ensemble. On doit être toutes les deux enjôleuses, ok? Ah, le jour férié de l'amour était une réussite. Par contre, il était horrible pour Candy et Travis, forcément, bah, vu qu'on les a pas joués. Donc, miskin. Mais bon, on peut dire qu'ils sont dans les préparatifs du mariage. On doit être un couple goal, ok? Par contre, Yuki est si belle. Hop. Il fallait faire un choix. Bah ouais. Ouais, il fallait faire un choix. C'est quand même le comble que Yuki passe un bonjour de l'amour mais pas sa sœur. Bah ouais hein.
Elle sent qu'elle lui cache un truc, mais tu verras. Je me suis dit que l'élément déclencheur, ça allait être l'arrivée du bébé, quoi. Ben, si, mère. Merci beaucoup pour le rancœur du coup. Candy, c'était le jour de l'amour tous les jours dans sa vie, c'est pour ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Time to rentrer à la maison. Votre Sim peut pas rentrer à la maison maintenant. Bon, de toute façon, c'est la fin du... C'est la fin du rancard, j'ai envie de te dire. Elle peut peut-être... Voilà. Ah non, pas tout de suite. Hop. Voilà. C'était un rancard... pas le meilleur rancard du monde, mais un rancard quand même. Elle finit endormie. Bon, bah écoute. Ma foi, elle a l'air un peu détachée de cette histoire. La poubelle l'a épuisée. Et Ultia, je m'ennuie un peu sur les Sims en ce moment. Est-ce que t'as des conseils pour faire de nouvelles aventures? Mais moi, en ce moment, je fais le challenge leader de NS, justement. Qui est vraiment très cool. Et je sais pas si tu l'as déjà fait. Mais en vrai, j'aime bien et ça dynamise un petit peu le jeu. Après, tu peux te faire tes propres histoires. Bah là, n'hésitez pas. Enfin, vous pouvez, si vous voulez. NS a déjà uploadé le foyer des filles. Vous pouvez, si vous voulez, faire votre propre partie. Hein. Ok. Elle va prendre une douche et elle va aller dormir. J'ai changé son lit, hein, NS, hein, parce que elle avait mal au dos, pêcherette. Il est 3h30 du matin. Elle a dormi, en fait. Fait chier. Ah, bah tiens, vas-y, vends le tableau que t'as fait. Le chemin de la gloire. Ah oui, Trévis! Amenez Trévis ici. Hop. Trévis qui peut aller dormir. Mais du coup, Candy, c'est compliqué en fait. Elle a pas du tout envie de dormir. Elle a dormi en mon absence, je suis deg. Trévis seul sur un terrain vide dans la campagne de Windenberg. Mais c'est trop chiant qu'on puisse pas mettre la boutique sur l'endroit où on vit. Vous pouvez tenter un scénario aussi comme celui-ci pour atteindre 1 million de simflouz en partant de zéro. Ouais, ça c'est cool en vrai. Ça aussi, c'est le genre de challenge qui sont chouettes. Il y a plein de trucs qui sont à faire hein, sur les Sims hein, pour dynamiser un petit peu tes parties, je trouve. Vraiment plein de trucs à faire. Qui sait, ça se trouve, ouais, il est pas seul, hein, si ça se trouve. Hein. 4h du mat, bon, je pense qu'elle peut aller quand même dormir. Elle se réveillera vers 7h, un truc comme ça peut le faire. Ok. Ben, je suis morte de soif. Je suis refait, j'ai atteint 211 points sur MK. Pour la première fois, je dépasse les 200 points. GG, la Luxus. GG. Bienvenue à Ain TV. Bienvenue, bienvenue. Ok, tout le monde dodo. C'est parti. Le travail a commencé. Mais elle se marie aujourd'hui. Ah. Au secours. Vois le bon côté des choses. Ok, elle est dans le déni. Très bien. Aujourd'hui, on se marie. Super. Go, avoir un bébé à l'hôpital. C'est justement... On va la rejoindre avec... bah du coup... Yuki. Et... Trévis. Oh putain. Et Paolo. Et Eric. Mon dieu. Mon dieu, qu'est-ce que je voulais dire oh mon dieu. Très bien. Oui, on va évidemment l'accompagner. C'est d'ailleurs la feature du pack au travail. On peut maintenant accompagner nos... Enfin, grâce à cette feature-là, maintenant, elles accouchent plus à la maison. Elles peuvent accoucher, directement sur place à l'hôpital, quoi. Tu peux sélectionner 15 sims. Eh ben, elle y est allée avec sa sœur. Ah mince. Est-ce que ça serait pas plus logique qu'elle y aille avec le présumé père invité à venir sur le terrain actuel? Ok. Petit mariage à l'hôpital. C'est le mariage aujourd'hui, mais elle accouche. C'est catastrophique. Trévis va arriver. Très bien. Se présenter au bureau d'accueil. Donc vous voyez, ouais, ça c'est le... Bah quand vous faites la profession médecin, vous êtes sur ce terrain, justement. Bonjour.
sont. Yebs, Naya Vuya. Ah, Zengsa. Ah, je vous ai trouvé. Au moins, elle pourra faire baptiser le bébé en même temps. Bye. C'est une catastrophe. Où est Travis? Il a dit qu'il allait arriver. Amener ici. Eh oui, non, il peut pas. Ok, je peux pas. Je peux pas forcer le truc, je suis deg. Bon, ben, c'est avec Yuki qu'elle va partager ça. Hein. Travis prépare le mariage. Mais quel immense geek, elle est en train de jouer aux jeux vidéo sur le PC du médecin, mais putain. Je me marie dans une heure, donc si on peut faire vite, s'il vous plaît. Dépêchez-vous. Oula. Oui, il y a quelques petits soucis, bien sûr, monsieur. Excusez-moi, la épouse. Bon. Si on peut faire vite. Elle a l'air au fond du gouffre, très mal à l'aise. Par contre, elle a l'air sereine, hein, Yuki. Hein. Félicitations, c'est une fille. J'espère vraiment qu'il va y en avoir qu'un seul, hein, parce que s'il y en a deux, je pète les plombs. Oh mon dieu, comment on l'appelle? Comment on l'appelle? Je pense qu'on va l'appeler... Alors, elle s'appelle Yuki et Candy... Je pense qu'on va l'appeler Iris Noémie en hommage à NS. En hommage à NS. Noémie, mais avec un Y pour donner le style de Candy, Yuki, etc. On peut faire ça. On peut faire ça. C'est parti. En hommage à NS. Il y en a qu'une seule. Nickel. Bon alors. J'ai été gentille, j'ai choisi un seul bébé et une fille pour pas que tu sois dans la merde. Ah, t'as choisi ? Et tu sais que j'aime pas les petits garçons en plus. Tu t'es renseigné? Salut toi! À qui est cet enfant? À qui est cet enfant? Ok! Oui, je sais, je suis là sur les streams en lurk. Merci Pépin d'épices. Merci pour le 14e mois. Merci beaucoup. Ah, toujours important de se laver les mains après avoir accouché. Comment t'as choisi du coup, Anes? Alors, il y a un truc, c'est qu'en fait, à cause de la boutique, elles habitent ici sans vraiment habiter ici. Ah, avec le MCC, d'accord. Donc, ce qu'on va faire, exceptionnellement, parce que, bon, voilà. T'as manqué quand elle a accouché, il y avait écrit le nom du papa, mais tu peux check l'arbre généalogique maintenant. Bon, déjà, on va la passer à Bambin. Noémie Baird. Elle a mon nom de famille. Je peux voir l'arbre généalogique. C'est pas du tout la fille de Travis, c'est sûr. C'est sûr, c'est pas la fille de Travis. Non, on fait pas un bête parce que il y a plein de gens qui savent. Il y a plein de gens qui ont la réponse. Noémie. Putain, c'était sûr. Putain, c'était sûr. C'est pas du tout la fille de Travis. Dire pour Travis. Aïe, 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 c'était sûr en fait. C'était sûr. Oh là là. Oups. Oups, 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 oups. Bah alors là, bon, ok, il va falloir qu'on décide ensemble ce qu'on fait. Déjà, je vais. Oula, affame le bébé, non, quelle horreur. Je vais forcer la. Je vais la changer d'âge. Parce que, à cause de la boutique, on peut pas amener un nourrisson sur le terrain de la boutique.
Donc du coup, elle est obligée de rester ici. Donc on va la passer bambin directement, histoire de quand même rester sur les lieux de la boutique. Les bambins, ces petits Sims, passent leur journée à jouer, explorer le monde, apprendre à communiquer avec des mots plutôt qu'avec des larmes. C'est l'âge idéal pour commencer à développer les compétences pour l'avenir. On va faire 10 fois le trait de caractère aléatoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et elle est angélique, des bambins faciles à vivre, voire idylliques. Ils ne provoquent jamais les adultes et ne piquent jamais de crise. Ils parlent également facilement aux inconnus. Bah franchement... excusez-moi, hein. Il y a quand même de quoi faire croire à Travis qu'elle est de lui, hein. Je suis désolée, mais... Il y a quand même de quoi faire croire à Travis qu'elle est de lui, moi, je trouve. Elle a un magnifique prénom et elle est angélique, elle part bien dans la vie. J'avoue qu'elle part bien dans la vie, par contre, sa tenue, elle part un peu moins bien, hein, j'avoue. Bon. Du coup, on va la modifier dans le cuisse, la gamine. Et on va un peu l'habiller, etc. Non, elle est pas moche. Non, elle est trop mimi. Par contre, on voit pas trop non plus. Il y a moyen que Travis. Horrible, quoi? Bah, elle est pas horrible, n'importe quoi. Par contre. Elle ressemble pas du tout à Travis, bah elle ressemble pas trop... Elle ressemble à la mère, quoi, en fait. Ouais, les gènes de papa ont été refoulés à l'ovule, de ouf. Elle ressemble grave à Candy, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? On est d'accord que Candy, c'est des cheveux décolorés qu'elle a, là. C'est des cheveux décolorés qu'elle a. Donc, vu que ses sourcils sont noirs, en plus. Donc, il va falloir changer ça, je pense. Qu'elle a les cheveux de sa mère, mais c'est des cheveux décolorés, donc ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Faut changer ses cheveux. Ouais, 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 c'est une teinture. C'est une teinture. Donc elle a forcément les cheveux noirs, en fait. Elle a forcément les cheveux noirs. Ça, merci Médo pour le sixième mois. Merci beaucoup. Merci, merci. Ok. Hop. Tout, 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 tout. On lui met lesquels? Ceux-là? Vous êtes pas sympa avec une petite fille quand même. À dire qu'elle est pas belle, non mais ça va pas à la tête. Elle est trop mignonne. Et la mère, elle est trop belle. Elle peut que être chou, la petite aussi. Moi, je la trouve mignonne. Moi, je la trouve chou. Par contre, ouais, les gènes du papa complètement refoulés à la naissance, de ouf. Alors, je vais l'habiller, du coup. T'as dit quoi de la fille de Bertulda? Arrête, t'es sérieux? Vous êtes pas sympa avec elle. Ça se voit que vous avez pas vu Ursulin, j'avoue. Alors, oublie pas les sourcils, bah c'est bon. C'est bon en vrai. Je peux pas lui changer en plus ses sourcils parce que là je suis pas dans... Ah si, je peux lui changer. Mais ils sont assortis aux cheveux quoi. On verra mieux quand elle sera enfant. Oh, bah ouais, ouais ouais, on verra mieux quand elle sera enfant. Complètement, ouais, complètement. Oh elle est trop mignonne. Moi je la trouve chou. Moi je la trouve chou. Look prédéfini. Donc, on va l'habiller. Ah, elle est trop mignonne. Les cheveux, tu changes pas? Ben, c'est le seul élément qui puisse faire penser à son père, je crois que c'est ses cheveux. Donc, on va carrément lui laisser ses cheveux, je pense. Hein. Après, on peut aussi lui attacher sur d'autres coupes. Mais s'il y a bien un seul truc qui fait penser à son père, c'est ses vaches. Donc moi, je la trouve très bien, sa coupe, ouais. Moi, je la trouve très bien. On pourra la changer pour d'autres... dans des cheveux un peu similaires. Ça, non, ça détonne trop.
J'aime bien les cheveux. Moi aussi, j'aime bien ses cheveux. De toute façon, elle a pas les cheveux lisses, hein, la gamine. Hein. Elle a forcément les... Peut-être pas les cheveux crépus non plus, mais elle a forcément les cheveux bouclés. Oh, elle est trop chou comme ça. Les macarons crépus sont trop mimi. Oui, elle est trop mimi comme ça. Mais je pense qu'on va lui laisser, cette coupe qui a été déterminée dès le début. Et c'est celle-là, voilà. Et puis on lui attachera les cheveux pour d'autres coupes. Je la trouve adorable avec ses mini cernes. Moi aussi, je la trouve mignonne. Oui, c'est ça, elle est pas censée avoir des cheveux de personne caucasienne, de ouf. Exactement. Alors, comment on t'habille, mademoiselle ? Oui, elle est mignonne. Moi, je la trouve chou. Alors, comment t'habilles? Oh, cette petite salopette, je la kiffe. En plus, elle est angélique, quoi. On peut pas demander de meilleurs bambins. J'aime pas du tout cette tenue. Celle-là, elle est trop mignonne, cette petite robe. On lui mettra en robe d'été, je pense. Elle a la peau claire, hein? En vrai. Je trouve. Robe chat or riot? Salut, Ben. Tu veux la robe chat? On va lui mettre la robe chat. Celle-là, je l'aime bien aussi. Hop. Allez, la robe chat. Parce que sinon, Ben, il a dit Riot. La dernière fois que Ben de Twitch a dit Riot, il a banni une de mes modératrices. Donc bon. On va peut-être l'écouter. Hop. Un peu déçu de sa peau, je m'attendais à un peu plus de pigments. Oui, moi aussi, du coup. Parce que là, en vrai, il y a moyen de pas se douter de quelque chose. En fait, moi, de base, je savais, j'en étais sûre que de ce que t'avais fait. Et du coup, je m'étais dit que Yuki allait s'en rendre compte comme ça, tu vois. Oh mon dieu. Les enfants qui ne ressemblent pas aux parents est un bug du jeu qui va être fixe à la prochaine mage. Mais là, elle ressemble à sa mère, hein, en vrai, hein. Elle ressemble à sa mère. Après, j'ai pas zoomé sur la tête de son père, donc je suis pas certaine des traits qu'elle a pris de lui. Mais elle ressemble à sa mère, quoi. Alors. Je trouve que cette robe chat, c'est la plus jolie des robes chat. Hop. Et du coup, on va lui mettre une deuxième tenue quotidienne, genre... Yuki le verra avec les cheveux afro. Ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça qu'il va lui mettre la puce à l'oreille. En tout cas, elle est adorable. Moi, je la trouve chou. Je la trouve trop mimi. Ce pull, je l'aime beaucoup. Regardez-moi ça. Hop. Voilà. Avec le petit sac grenouille et je vais lui mettre un petit pantalon. Doum, dou, 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 dou. Hop. Ça, merci à Yashi pour le 4e mois. Merci beaucoup. Le sac grenouille! C'est trop mignon. Elle est trop chou! J'aime bien ce jean, mais... Comme ça, je pense que ça peut être sympa. Et du coup, les chaussures... Il y a moyen qu'elle rappelle le sac grenouille. Je veux le même sac! J'en étais sûre que vous alliez être fan du sac. Et du coup, sa deuxième coupe, elle peut avoir les deux petits chignons afro parce qu'elle est trop mimi comme ça.
Voilà. Ok, ensuite, tenue habillée, du coup, je pense que je vais lui mettre la petite robe que je kiffe à chaque fois. Peut-être pas celle-là. Celle-là, ça va être la robe temps chaud. Voilà, c'est celle-ci que j'aime bien. Regardez cette robe chaperon rouge, je l'adore. Elle est trop mignonne. Je vais lui mettre soit un legging, soit un truc comme ça, un collant. On va juste enlever habillé. Non. En dessous la robe. Hop. Travis va vivre dans le déni et penser que c'est sa fille. C'est pas la fille de Travis, ça, moi je vous le dis. Si, va falloir. Bah, va falloir. Je sais pas. Hein. N'hésitez pas à donner vos idées. Hein. Même NS, hein, n'hésite pas à me dire. Hein. Non, mais je pense qu'il va le découvrir. Il va demander un test de paternité. Va y avoir. Le mariage va être annulé, c'est sûr. Enfin, je sais pas, c'est pas possible. Après, je me dis que NS, elle a quand même. Préparer les invités, etc. Donc peut-être aller au mariage, genre il va se persuader que c'est sa fille. Oui, c'est ça, pour moi, il faut que je fasse le mariage. Bah oui, c'est sûr. C'est sûr, il faut qu'il fasse le mariage. Voilà, on verra ce qu'il en suit, ouais. Ok. Et de dodo, du coup, ça c'est trop mignon. Elle a la peau si claire que du coup, j'ai l'impression qu'elle est malade, cette gamine, la pauvre. Merde. Ça, avec les petits lamas, c'est mignon. Avec des petites pantoufles. Ensuite, tenue de fête. En vrai, c'est super marrant de créer un lore et de voir quelqu'un le découvrir. Mais de ouf, c'est trop bien. Mais c'est ce que j'ai dit, je pense qu'on refera ça. C'est sûr, c'est trop bien les parties partagées. Merci Nairou pour le 4e mois. Let's go. Merci beaucoup. Elle est peut-être albinos. C'est pas possible dans les Sims du coup, mais... Enfin, toi, tu peux les faire toi-même manuellement. Merci She's a Cheesy Lover pour le 5e mois. Merci beaucoup. Mais techniquement, c'est pas quelque chose qui est envisageable dans les Sims, quoi, enfin... Comme ça... Et là, je vais mettre des petites chaussures, elles sont trop choues, comme ça... Celles-ci, elles sont exactement de la même couleur que les poches. Pour les 5 subs! Ah, merci beaucoup, Cheesy Lover, pour les 5 subs, j'avais pas capté, merci. Petit collant, et puis il faut qu'elle enlève ses chaussettes, voilà. Hop. Et 5 subs, pas 5 mois. Oui, c'est bon, je me suis corrigée. Ok. Et tenue de temps chaud, j'aime bien cette petite robe, elle est trop mimi. Bon, là, en orange, ça rajoute un peu de couleur, parce que... Avec ses petites sandales bleues... Oui, elle avait les cheveux de sa mère à la base, mais bon, c'est une décolo, hein, les cheveux de Candy, donc... Et puis après, look prédéfini d'hiver, moi j'aime bien le petit manteau, de petites... voilà. Ok, très bien. Ah oui, on lui attache les cheveux en été, ça peut être cool. J'ai hâte de voir à quoi elle ressemblera enfant en vrai. Et voilà! Donc, petite tenue numéro 1, petite tenue numéro 2... Sa tenue habillée. Sa tenue de dodo. Je pense qu'on va lui changer la couleur de son pyjama. Quelque chose d'un peu plus chaud quand même. Voilà. Sa tenue de fête.
sa tenue de maillot de bain, sa tenue de temps chaud et sa tenue de temps froid. Je crois que je mets tout le temps celle-là, de tenue de temps froid. On va mettre celle-ci pour changer un peu. Elle est brune, ouais, elle est brune, elle est brune. Bon, après, de base, elle l'était pas, hein, pour tout vous dire. Mais c'est à cause de la décolo de la maman qu'elle est née, platine. Merci pour ce train de live niveau 3, d'ailleurs, hein, merci beaucoup. Du coup, ben, elles vont toutes les trois aller à la boutique parce qu'elles ont rien à faire sur ce terrain. Candy et Eric. Candy, Yuki. Hop. Hop. C'est héréditaire, une décolo. C'est pour ça, hein, faites attention, hein. Si vous changez de couleur de cheveux quand vous êtes enceinte, ça peut... Ouais. Super, la robe de mariage de Candy. Voilà, donc écoute, Candy, maintenant, il faut que je lui prévoie une tenue de mariage, du coup. Dans cette histoire, moi. Imagine, dans les Sims, tu peux avoir l'effet couleur, donc au fil des jours, tu as des repousses de tes cheveux naturels. Le jeu en met une en auto. Ah ok, bon ça va. Parce qu'en fait, en vrai, ça serait trop bien que dans les Sims, en effet, il y ait... Elles sont trop belles toutes les deux. Ça serait trop bien que dans les Sims, il y ait la possibilité de mettre que c'est une coloration et que du coup, ça n'impacte pas génétiquement parlant les enfants. C'est vrai que ça serait bien. Bon alors là, je sais pas trop comment introduire le truc auprès du père, hein, parce que... Je pense qu'il le comprendra peut-être après. Au début, ça sera peut-être un déni total. Illuminer la journée. Féliciter. Hop. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un pack mariage qui arrive sur les Sims? C'est pas prévu. J'imagine le moment si quelqu'un s'oppose au mariage et là, il y a 10 mains qui se lèvent, j'avoue. Bon, moi, je pense qu'on va ranger sa platine. Et... Si, c'est prévu. Ah, d'accord, ok, je savais pas. J'avais même pas vu. Je sais pas trop ce qu'on fait. Est-ce qu'on installe la petite dans la chambre de la mère? Ou est-ce qu'on arrive à faire deux pièces? Attendez, je veux bien tester un truc. Ça a été teasé hier. Ah ok, je savais même pas. Oh merde, j'ai loupé. Une seule pièce, c'est cool. Parce que bon, c'est pas... Après, on imagine que Yuki partira et laissera la chambre, je sais pas. Je sais pas. Après, c'est dur aussi, quand même, de prendre une partie qui nous appartient pas. Parce que du coup, j'ai peur de faire n'impe, tu sais, genre... pas du tout faire... un mur en diagonale. Ouais, c'est ce que je sais pas... Tu vois, j'hésitais même au balcon aussi, mais bon, faudrait que je touche au toit et tout, et franchement, j'ai la flemme. Le bambin avec tous les néons autour, bah c'est ce que je me suis dit en les voyant, justement, ouais. Attendez, j'ai une question. J'essaie un truc. Au pire, je repars en arrière. Yuki n'est toujours pas détective. Non, elle vient juste d'accoucher, là. Laissez-lui le temps un peu, la pauvre, à Candy. Le balcon, c'est une bonne idée. En soi, t'as juste à étirer le toit qui est déjà là. Tu vois, ça serait peut-être plus facile. Ça serait peut-être plus simple. On a pensé au balcon, mais je me suis dit, franchement, moi, je suis pas très douée en constru de base. Et le toit... Alors... Ok.
Bah, sa chambre dans une véranda, au pire. Comme ça? Comment je ferme ça, du coup? C'est une surface de mettre un toit sur le lit d'un enfant, ça renforce les défenses immunitaires! J'ai peur de faire n'importe. Donc du coup, je remettrai la platine ici. Faut que tu mettes un plafond en cliquant sur la partie jaune en haut de la pièce. Attends, j'ai dit merci, c'est gentil. Hop. Clique sur le toit, puis sur les petites fléchettes au bord et réduis jusqu'au mur, puis étire-le. Alors, attends. Clique sur le toit. Ah non, il y a quelqu'un qui me dit... il faut que tu mettes un plafond en cliquant sur la partie jaune en haut de la pièce. Construire un plafond, déjà, voilà. Et ensuite, clique sur le toit, puis tire sur les petites flèches au bord et réduis jusqu'au mur, puis étire-le. Attends, clique sur le toit, puis sur les petites flèches au bord. Les petites flèches au bord. Réduis jusqu'au mur, puis étire-le. Étire-le... Comment ça? Comment ça? Je comprends rien. Descends le toit. Attendez. Mais je peux pas, enfin... Je suis obligée parce que là, il y a un truc derrière. En plus, les premières flèches que tu as touchées jusqu'au mur du toit. Celle-là, là? En gros, détruit la maison. Genre là, il y a... C'est... Ouais. Et du coup, celle-là, j'en fais quoi? Parce que ça, du coup, ça fera... Je sais pas. Parce que vous me dites... Ah, voilà! All good? Ok. Merci. C'est stressant, hein. Hop. Ok. Da-da-da-da. Les stores, ils sont posés. Un peu superposés. Les toits, c'est cassette. Moi, c'est ma phobie. C'est nous, il fallait mettre la maison dans du riz. Arrête. Oh, arrête de bouger. Hop. Elles sont plus hautes, les fenêtres, ouais. Merde. Quelle aubaine, quand même, d'avoir cet emplacement, j'ai envie de vous dire. Ok, très bien. Faudrait que tu remontes le toit de 1. Ah bon? Les volets sont plus petits, c'est fort possible, oui, qu'elle les ait réduits. Attendez, hop, ça sera mieux comme ça, je pense que vous avez raison. Oui, en effet. C'est mieux comme ça. Voilà. Ok. Enfin, l'arbre, il va falloir qu'on le décale parce que il transperce la chambre. Putain. Là, il va falloir qu'on trouve une solution. Hop. Ok. Ok, alors. Oui, par contre, les petits stores pour faire des volets, c'est trop une bonne idée. On va la faire dans les couleurs que Candy, elle aime, hein, moi, je pense. Hop. On va récupérer ça et ça ici. Oui, c'est NS qui a fait la maison. Exactement. Hop.
Je crois que... Ouais, en effet, il y a des motifs un peu plus... enfant. Je pense qu'elle peut faire ça, et on peut faire... C'est pas idéal comme positionnement pour quand la petite grandira. On s'imagine que Yuki va pas passer sa vie ici non plus, je pense. Hop. Ensuite, je vais réutiliser ce mur-là. Simple mais joli. Voilà. Et je vais mettre une lampe. Éclairage au plafond. Je vais mettre la traditionnelle petite lampe nuage que je mets à toutes mes chambres d'enfants. Accompagnée d'un autre... accompagné d'un autre lustre. Qui me donnerait envie de rejouer aux Sims. Mais c'est trop bien, les Sims. Je viens d'arriver à être heureuse pour le Floodcast. Ah ouais, c'est vrai? Trop cool. Je pensais pas que... Je pensais pas qu'il y aurait à ce point de l'engouement pour le Floodcast. Je suis absolument ravie que ça vous plaise. Hop. Voilà. Ça parle de quoi le Floodcast? Alors, le Floodcast, c'est un podcast qu'on va tourner ce soir avec Ponce et Rive, qui est un podcast qui est présenté par Florent Bernard, par Florent Bernard et Adrien Méniel. Et en fait, c'est un podcast assez populaire qui parle de tout et de rien, plutôt... moi je l'ai jamais écouté, donc du coup je saurais pas trop vous dire, mais par exemple quand j'ai assisté au Frames Festival à Avignon, bah en fait Ponce avait fait une espèce de floodcast en live en fait à ce moment-là, quoi. Voilà, donc on va le faire tous les trois, donc moi je sais pas trop à quoi m'attendre, j'avoue, mais on verra, parce que j'y connais pas grand chose et que j'ai jamais écouté ce podcast, mais je pense que ça va être cool. Je vais le mettre là pour pas que ça dépasse. Et donc non, ça ne sera pas en live, exactement. Hop. Voilà. C'est une discussion sur tout et rien. Ouais, c'est ça, il me semblait bien. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Je pense qu'on peut faire ça avec ce mur là qui est très joli. Ouais. Comment on fait la plateforme? Bah en fait tu cliques sur le sol et puis hop, tu remontes ou tu descends, tu fais comme tu veux. Et après, tu casses les murs. Voilà. Ah, il y a un Floodcast avec Angle Droit, Antoine et MV? Ah, je savais pas. En fait, j'aurais bien pris cette fenêtre, mais... Enfin, cette porte, pardon, mais je voulais garder le même bois, quoi. Donc, je peux la faire manuellement, je pense. Comme ça. Hop. Voilà. Ça fait un peu sombre pour une chambre d'enfant, le mur noir et violet. Mais moi, je pense que c'est Candy qui a envie de faire ça. De faire dans les couleurs qu'elle aime. Hop. Elle est badass, cette petite, en plus. Et ensuite... je veux lui mettre un lit... Hop.
Ouais, on va lui mettre un lit noir comme ça. Et qu'est-ce que je vais faire d'autre? Donc du coup, voilà, pour si vous êtes intéressé pour le podcast, en fait, c'est enregistré. Donc du coup, vous pourrez pas le suivre ce soir en live, quoi. Mais après, je vous donnerai le lien. Je sais pas trop, il les poste, je pense qu'il les poste sur, sur Spotify, notamment. Sur toutes les plateformes d'écoute. Ok, on va mettre un tapis. J'aime bien ce côté un peu arc-en-ciel là, avec qui rappelle un peu le rideau. On va mettre un tapis. Touk touk touk. Je regarde, hein, je fais des tests sur ce que je veux. J'aime bien faire des chambres d'enfants. Hop, ah bah voilà, il y a Régilum qui vous met le lien dans le chat si ça vous intéresse pour écouter les floodcasts. Celui-là, il est très cool aussi. Comme ça. Ça fait déjà un peu chambre d'ado, du coup ça me fait rire. Mais non, voilà, c'est pas... C'est ce que je disais, c'est pas en direct, ouais. C'est complètement préenregistré. Voilà. Hop. J'hésite à repasser en violet. Ça fera mieux, je pense. Voilà. Et qu'est-ce qu'on met d'autre dans cette chambre? On va mettre des jouets pour la gamine, quand même. Moi, j'écoute les floodcasts quand je suis malade et quand j'arrive pas à dormir, ça m'aide à me concentrer sur autre chose. Mais faudrait que j'en écoute. Du coup, j'écouterai celui avec angle droit, je pense. Je suis en train de regarder, il y a pas mal de beaux mondes qui ont été invités sur ce podcast. Mais moi, en fait, je suis pas du tout consommatrice de podcasts. Absolument pas, en fait. Hein. Hop. Mais je suis en train de m'y mettre, justement. Donc, je suis plutôt ravie d'y assister. Je découvre un peu, j'en écoute quelques-uns. Tout ça, tout ça. T'avais écouté celui que je t'avais conseillé, le cœur sur la table? Ouais, je suis pas hyper fan, j'ai un peu décroché. Mais j'en suis, je sais pas, je crois au troisième épisode, un truc comme ça. J'ai un peu décroché, je sais pas, je crois que je m'en fous un peu de la vie de certaines personnes. Oui, d'accord, je sais pas. Je crois que je préfère... Après, c'est axé relation. Ouais, c'est peut-être pour... Je sais pas. Fair enough, je sais pas, faudrait que je continue pour voir un peu si redonner une chance. Je comprends, je suis comme toi. Ouais, tu sais, genre j'accroche pas des masses, je sais pas. Je redonnerai peut-être sa chance pour voir, mais en tout cas pour l'instant, bon. T'as les couilles sur la table sinon. Oui, apparemment ce podcast est cool aussi. Mais en tout cas, tous les podcasts en histoire, sur l'histoire de l'art, là, Vénus épilait-elle la chatte, ils sont incroyables. Ils sont vraiment incroyables. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on met dans la chambre de la gamine? Et la librairie Yokai, apparemment, c'est cool. C'est des podcasts, ouais, qui parlent d'un yokai différent. Il y a un yokai différent par podcast, justement. Et c'est des fantômes, des créatures mythologiques et tout. Et ça parle de... Enfin, pas mythologique, en fait, on peut le dire. Des fantômes.
C'est mythologie, mais genre Japon, quoi, je dirais. Aussi, il y a une copine hier qui m'a conseillé un podcast qui s'appelle... Oh, je sais plus. Oh, il est trop chou, ce tableau. Il s'appelle... Ouais, au folklore japonais, c'est ça. Oh, celui-là, il est trop chou aussi. Oh, je le vois tellement dans la chambre de Yuki, ce tableau. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de murs qui sont pris déjà. Allez, passe à autre chose. La frise avec les dragons, c'était peut-être plus pour maintenant. J'avoue, par contre, c'est cher, ouais. Je sais plus ce qu'elle m'a dit, ma copine, je sais plus le nom du podcast. J'ai chier. Merci Fazeray pour le 9e mois, merci beaucoup. On va lui mettre une table d'activité, même si c'est pas pour tout de suite. Transfert ! Exactement, c'est ça. C'est exactement ce nom-là que je cherchais. C'est exactement transfert que je cherchais. Transfert est incroyable, c'est un de mes prefs, voilà. Mais apparemment, c'est pareil, c'est beaucoup de personnes qui racontent leur vie, etc. Donc je sais pas si je vais accrocher ou pas. Je vous dirai, je vous dirai. Voilà, et ensuite, des jouets pour qu'elle puisse jouer bambin, parce que là, pour l'instant, elle peut pas. On va mettre un pot aussi. Pas sûr qu'il y ait de la place ici, ça dégoûte. Je sais pas si ils auront de la place là. Ok. Et comment tu fais pour centrer et poser les objets comme tu veux? Alors déjà, faut que tu aies le code bb.move. Object avec un S qui soit activé. Donc là, je viens de le désactiver parce que moi, il était déjà activé. Bb.move object on. Voilà. Et ensuite, tu prends l'objet que tu veux placer et tu maintiens Alt. Voilà. Et ensuite, on lui met un... À bientôt de te revoir. On me l'a aussi conseillé, celui-ci. On va lui mettre un coffre à jouer. La dernière fois, j'ai pas eu besoin de faire le code. Ah ouais, sérieux? En maintenant Alt, ça l'a fait. Sérieux? Bon. Écoute, tant mieux. Je sais pas si elle aura accès ici. Je le trouve si gros, comme ça c'est mieux. J'espère que ça marchera quand même. Ouais, tablette, je suis pas fan. Hop. Tout, 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 tout. Hop. Le cheat code magique dont tout le monde rêve sur Animal Crossing. Bah, c'est ça, exactement. Moi aussi, je rêve d'avoir ce cheat code dans Animal Crossing. Pouvoir placer les objets comme je veux. Voilà! Écoutez, elle est mignonne, cette chambre! Ça manque un peu de trucs sur les murs, quand même. Je trouve... Je pourrais mettre des étagères si j'avais pas la flemme de placer des objets dessus. Qu'est-ce qu'il y a ici? Alors. Zou. Un miroir dans une chambre de bambin?
De toute façon, tu joues avec les murs baissés, non? Non, pas tout le temps, en vrai. Ça dépend. Non, non, non. En général, je joue avec les murs, en vrai. Hein. Bah, je trouve que c'est un peu dommage. C'est joli, quand même, avec les murs. Le mur du bureau me paraît vide. Ouais, moi aussi, c'est pour ça que je voulais mettre quelque chose. Ces tableaux, là, ils m'ont pris la tête. Du coup, il n'y a plus de fenêtre dans la chambre parentale. Si, il y en a une. Elle est là. Bah, en même temps, je peux pas en rajouter, hein, ça fera bizarre. Hein. Donc tant pis, hein, y en aura une. Le stream termine vers 18h30. Tu peux prendre le papier peint noir et blanc de la chambre de Candy, ça comblera le vide. Bah, il y a déjà celui-là, là, tu vois. Ça fera... Il y a déjà lui, ici. Après, je peux peut-être les mettre comme ça en quinconce, mais j'aurais bien aimé mettre un truc sur le mur, plutôt, en fait. En fait, vite, hein, parce que... Il nous reste qu'une heure avant de... Enfin, on veut jouer aussi, c'est ça, le but, putain. Le but, c'est pas de passer ma vie dans les menus, là. Voilà. Bon, les étagères, j'ai la flemme de placer des trucs dessus. Je sais que ça va pas me plaire. Je sais que ça va me saouler, comme d'hab. Voilà, ça, c'est cool. Ça, c'est tip-top. Yes. Ok. Je pense qu'on va partir là-dessus. C'est pas mal, en vrai. Salut, je t'ai découvert sur Arrêt sur Image, j'étais surtout un joueur Sims 2, mais j'ai commencé les 4 ce week-end, merci pour les streams, bah de rien. J'espère que tu vas te régaler sur les Sims 4, en vrai il y a pas mal de trucs à faire, hein, quand si t'es perdu et que tu sais pas trop par où commencer, tu peux toujours faire quelques challenges, etc, tu verras, ça sera chouette. Voilà, je pense qu'il y a mieux à faire, mais de toute façon, c'est pas comme, enfin j'ai envie de jouer quoi aussi, voilà. Petite chambre pour une petite fille. Je trouve que ça se voit bien quand même que c'est Candy qui a décoré cette chambre. C'est mieux comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a encore pas commencé à... Par contre, il y a le mariage aujourd'hui. Personne ne me donne de notif pour me dire qu'il y a le mariage aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle était crade ou quoi? Jette-moi ça. Non, il y a pas de... On peut pas jouer avec d'autres vraies personnes sur les Sims, c'est pas possible. Mais là, par exemple, avec NS, on s'est passé nos sauvegardes, quoi, donc c'est pas mal. Je suis dans Windenburg, Los Angeles, là. Dans 2 heures, je suis large. Bon, pourquoi elle est épuisée, Yuki? Qu'est-ce qui se passe? Bon, je pense que pour qu'elle soit en forme au mariage, Yuki, on va prendre un peu soin d'elle, faire une sieste, et puis sinon, elle va bien, Candy va bien. C'est NS qui m'a donné sa sauvegarde, c'est pas l'inverse en fait, c'est elle qui m'a donné sa sauvegarde. Et du coup la petite, elle est absolument pas du père, je sais pas trop comment on va faire. Donc déjà, je pense que le père va arriver, peut-être qu'on peut se dire qu'il voit pas tout de suite. Oh, mais oui, il est marqué adopté en tant qu'enfant à charge, donc c'est clairement pas lui le père. Qu'est-ce que tu fais? Il va aller la gronder. Oui, oui, Alice, il est pas de lui, justement, le père. Il est de Eric, je crois qu'il s'appelle. Dire de ne pas mettre le bazar. Ouais, c'est ça, j'ai pas la compétence éducation avec Travis, vu qu'il est pas de la famille, c'est cata. On va la faire changer de tenue. Commence dans 1 heure le mariage. Ça va être catastrophique. Bon, on va lui remonter le moral à la petite. Regarde les sentiments de la petite vis-à-vis du faux papa. Non, je crois que...
Je peux pas les ouvrir à partir de là. Travis, ouvrir le profil. Oh, blessé. Sentiment de Noémie envers Travis. Blessé. Noémie a été blessée par le comportement de Travis et être près de ce dernier lui rappellera cette souffrance. OMG. Il le sait, mais ça change rien à sa vie. Non, il le sait pas, moi. Pour l'instant, il le sait pas. Moi, je pense que là, il y a une mini-ellipse de quand elles sont rentrées de la maternité. Il y a eu une ellipse, forcément, puisque la gamine, elle est bambin maintenant. Et moi, je vois bien un truc du genre, il s'en est toujours pas rendu compte, mais il sent qu'il y a un truc, quoi. Et il va finir par demander un test de paternité ou j'en sais rien, tu vois. Au mariage, il va se passer quelque chose, quoi. Et il va y avoir forcément une scission. N'est-ce pas ? Illuminer la journée. Une ellipse de 18 mois. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Mais ils ont l'air de bien s'entendre encore, hein, les deux. Hein. L'événement mariage va commencer. Êtes-vous prêts à commencer ? C'est parti. Quand Eric va se pointer au mariage, il va avoir une élimination sur sa fille. C'est ce que je me suis dit. Peut-être que Candy ne le sait pas elle-même. Du moins, elle n'est pas certaine. En fait, je pense que complètement, même Candy, elle se le dit pas forcément non plus, quoi. Ok, c'est une catastrophe. Qui est invité à ce mariage? Alors déjà, bon, absolu beau gosse, belle gosse de la part de Candy. Mais du coup, on a Yuki. On a Dominique. Il y a quelque chose d'amoureux hein, quand même. Je sais pas si c'est son petit ami ou pas. Mais bon, il y a quand même quelque chose. Il y a Nina Caliente. Il y a Sonia Gothic. Et Frédéric Fournier. Ah, mais il est pas là du coup, Eric. Il est pas sur la liste des invités. Et Lilith. Et il y a pas Lilith. Mais y a pas tout le monde. Ah non, attends, vas-y, je peux les inviter manuellement si tu veux. Ah si, regardez. Y a Lilith. C'est bon, ils vont peut-être arriver après. Y a Lilith. Ils vont arriver. Je pense qu'on va tous aller dans les jardins. En plus, il est tellement joli. Il est tellement joli, Est-ce qu'on met des chaises? Je crois que je peux pas les mettre, les chaises là-bas. Ouais, je crois que je peux pas meubler ce qu'il y a là-bas, en fait. C'est ça qui est dommage. Ils sont juste en retard. Bon, on va sympathiser avec tout le monde. Alors déjà, les filles. Illuminer la journée. Taquiner de manière malicieuse. Conversation profonde. Oui, c'est le mariage de ma sœur. Je pense qu'elle va sentir que Lilith est un peu bizarre à ce mariage. Genre... Comment ça s'est passé la journée? Oula! Ah oui, c'est le taquiner de manière malicieuse. C'est sympa de leur part de se réunir pour leur mariage de leur amante connue. Oh, commune! Oula là! Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Bon là, elles sentent qu'il y a quelque chose qui va pas, du coup j'imagine. Draguer en racontant une blague. Je pense que c'est bien du genre de Yuki qui sait pas trop s'y prendre. Eric est arrivé. Alors là, il va falloir faire quelque chose, je pense. On va devoir prendre... Alors, Eric est super en colère, mais comment ça se fait? Remercier d'être là. Merci d'être venu, Eric. C'est gentil de passer... Enfin, je suis contente de compter pour toi, malgré tout ce qui s'est passé entre nous. C'est complètement Eric le père, ouais. Oh, qu'est-ce qui se passe? La mère de son gosse se marie avec un autre, je le comprends. Oui. OMG. Ah ok, ça va. C'est la petite, j'allais dire quand même un peu de... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es en colère? Les fiancés flirtent les uns avec les autres. C'est peut-être pas... Ouais. Discuter de la colère. Comment ça se fait que t'es en colère?
On va lui demander. Mais lui aussi, il y a un truc entre nous, il me semble. Remercier d'être là. Remercier d'être là. Angela, sympa. Remercier d'être là. On va remercier les invités. Il y a Paolo, c'est son mec aussi. Putain, ça craint. La petite, il faut qu'elle aille le voir. Genre, en mode, elle reconnaît son père, quoi. Je suis angoissée pour elle. Oh non, Paolo est au fond du gouffre. Essayez de réconforter. Je sais pas, j'ai pas choisi. Je sais pas trop quoi faire. Je suis un peu paumée dans ma vie. Je pense que ça va être assez dur, oui. Et elle, comment elle s'en sort? Ça a l'air d'aller. Poser une question risquée. Et au Divoire, je te trouve un peu bizarre. Y a pas quelque chose qui se passe? Très en colère? Partenaire volage, jalousie. La moitié de Travis flirtait avec quelqu'un d'autre. A-t-elle fait cela dans son dos? Il faut qu'elle lui dise. Fulminer et s'emporter. Bon, attends, pas tout de suite. Je pense que déjà, je pense que Candy va demander à Eric de s'isoler dans une pièce, genre ici. Et en fait, elle va lui parler et je pense que Travis va entendre la conversation. Voilà, et il faudrait qu'après, elle l'appelle. Appeler. Se renseigner sur les loisirs, non. Appeler. Voilà, donc là, elle va vouloir lui parler parce qu'elle est rongée par la culpabilité. Bon, déjà, par contre, je suis désolée, mais il n'y a pas un moyen. Il n'y a pas moyen que je fasse quelque chose avec ces chaussures de mariée, là. Ah non, putain, je peux pas gérer. Je crois que je peux pas gérer cette nuit de mariée. Parce que les chaussures, ma chérie, ça va pas du tout, en fait. On se croirait dans un téléfilm. Mais oui, mais c'est trop excitant.